Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa Universalis 4 avec Lions of the North et avec tous les lions qui sont avec moi. Faites greu les gens. Graou. Graou. Tardarine, Slan et Broudaf, hein, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Alors pourquoi ça va mal Slan? Nouvelle session et je démarre en pleine guerre contre l'Ottoman, je sais plus où j'en suis, c'est la panique. Ah là là. Joe, réflexe, j'embauche les mercenaires, mais là j'ai pas de thunes. Oh la panique, j'ai pas envie de lâcher la pause. T'as pas de thunes quoi, ouais. Mais personne n'y croit un seul instant. Je baisse les la signes, vitesse. T'es prêt à lâcher combien pour tes cartes? Ah toi bah... Tu voulais voir le Canada, le pays de la poutine. Je lâche rien du tout pour les cartes. Je t'ai déjà proposé le siège et tout de ta guerre, tu voulais pas Florence... Ah moi la dernière fois j'avais vu que j'avais une belle opportunité qui allait se présenter sur Kiev, ce qui reste de la Pologne, c'est-à-dire une province, et retourner sur la Lituanie, mais si je lance la guerre tout de suite, c'est-à-dire que je légitime pas les provinces et comme j'ai 89% de surexpansion, je vais attendre gentiment. Oui. Ah oui quand même, 80% de surexpansion. C'est d'ailleurs la même chose que m'a dit Boudaf, j'avais l'intention d'attaquer Ragusa pour réentraîner l'Ottoman dans une guerre juste après. Il m'a dit oui mais tu pourras pas légitimer. Parce que si je me mets en guerre avec l'Ottoman, donc je vais pas le faire. Et quand est-ce que t'as prévu de rompre ton alliance avec l'Autriche, Slan? Pourquoi t'as besoin de rompre l'alliance avec l'Autriche? Non, parce que moi, elle me propose de m'allier à elle. Et quel est le rapport? Bah, si tu la trahis dans 2 ans, je vais pas m'allier à elle, tu vois. Alors, je vais pas la trahir, mais il est possible que je la rompe au bout d'un moment, parce que je vais pas l'attaquer avant très longtemps. Ça. Clairement, je vais pas l'attaquer avant très longtemps. Il est possible que je la rompe parce que maintenant les guerres sont trop lointaines pour elle et qu'elle vient plus. Ah, oui. Mais j'ai encore quelques guerres à faire en Italie. Mais une fois que j'aurai fini mes guerres d'Italie. Et quand ira tataner de la Bohème? J'ai pas besoin d'elle. Ok. Pour tataner la Bohème. C'est un bouseux le bohémien. J'entends et j'en confirme. On va pas s'emmerder non plus. Pourquoi j'ai pas de sous? C'est que d'où? Mais parce que tu fais nimp, voilà pourquoi t'as pas de sous. Voilà, t'as pris plein de gens, T'as quoi? Attends, t'as 900 balles, c'est ça? T'as dit que t'as pas de non, sous? Non mais là, je suis en train de faire une guerre, on est même pas 50 000 quoi. Contre l'Ottoman, vous êtes même pas 50 000. Il y a Sarkazy qui me propose un prêt. Bah voilà, parfait, accepte. Attends, je vais même pas regarder combien elle me prêtait, à tous les coups elle me prêtait 12 quoi. Bon Bouddha, tu le fais tomber ton siège? J'entraîne. Ouais, j'aimerais bien, mais j'ai... Allez là, faut pas que de ça tombe encore. On n'a pas des canons? Comment ça se fait que ça... On a 2 canons, ouais. Les provinces sont assiégées. Ah ça y est, ils sont arrivés mes canons. Bah allez, assiéger ça, c'est une bonne idée, ça va vous péter juste sous le pied là. Très très bonne idée. Les mecs ils ont traversé, tu les as laissés passer Teuton, je te vois. Quoi? Là, il y a la Hollande qui est en train d'assiéger la Russie danoise, quoi. Elle a pu passer que par chez toi. Absolument aucun accord de... Ouais. Ah non, j'ai donné aucun accord de passage. Hein. Il a dû passer par Venise et la Crimée. Hein. Non, bah tu dois sûrement avoir un accord de passage avec moi, surtout. Comment il est en train de prendre des troupes, là. C'est en guerre, ça? Sur la guerre de quel côté? Moi je peux réattaquer ta filalette en juin 95. Ah, il y a fight la jugla à défoncer. Ah mais c'est sa capitale. Et ben on aura fini dans Donc tu seras en train de légitimer l'Ottoman. Non, on n'aura pas fini. Enfin, les mecs, ils ont tellement peur du français qu'il y a 10 000 bourguignons qui tapent 20 000 français, ils sont 30 000 autour, il n'y en a pas un qui va être le bourguignon. Ils sont à 3 contre 1, mais ils préfèrent laisser le mec se débrouiller 1 contre 2. Et d'ailleurs, ils viennent se faire stack wipe, le bourguignon. Et le français, il a pas peur, il leur saute dessus, cash. Ils étaient tous en train d'essayer de s'enfuir. Il les a tous chopés. Ah ouais, non, mais c'est monstrueux, quoi. Oh la vache. On reconnaît bien les Space Marines français. Il est même pas au 5ème, quoi. C'est un massacre. Oh ouais, il a perdu 3000 hommes, il est en train de défoncer 20 000 mecs, quoi. En même temps, il a 5-17 de mora, il a même plus que moi. Punaise, ouais. Comment il tabasse? Ah, ça y est, on a réussi à prendre le siège. Il a pris des doctrines défensives et il a déjà son... J'ai fait tomber le siège, Slan. J'ai vu ça, j'ai tapé des matos. J'allais faire ce truc-là. Ouais,
et je reste à côté de toi pour te protéger et j'ai invoqué des mercenaires. Il les prend un par un quoi. Il les a tellement défoncés. Allez, vitesse 2. Parce que là on s'emmerde hein, quand même. Hein. Avec là, là les 15 000. Ouais. Là les 15 000. Ils sont où mes mercenaires? Ils sont là. Du coup. Ok, les bateaux c'est fait. Ah bon, avant même que eux arrivent. Très bien. Rentre au port. Ça y est, il m'attaque. Non, il va sur la capitale, je pense. Ouais. Ici on a quoi? Tant mieux. Qu'ils s'y mettent. On a un canon. Non, il est là. Surtout que moi c'est tombé. Du coup, je vais avoir 36 000 juste à côté de lui. Il va se mettre sur la capitale puis il va faire demi-tour. Je vais ramener mes 11 000 ici. Ouais, ouais, là, avec mes 19 000, normalement je suis safe hein, sur le bah, siège. C'est surtout que du coup, je vais lui faire un petit coup de. Trop tard! Putain, faut tout faire le tour, quel bordel. Allez, il a 21 000, j'en ai 44, mais il y en a un qui a pas de morale. Ça peut le faire. Oui, ça va le faire là, vu comment ça se passe. Bah, donc, il perd que 100 par en 100. Hein. Je perds 300 hommes, il en perd 100. Faut pas diplomatique, merde. Putain, les paix où tu gagnes 4 pièces, quoi, alors que t'as fait tout le piège, bravo, quoi. Les mecs, ils sont ruinés, ils filent 15 balles. Personne, quoi. Oh, le Suédois, comment il tatane en Russie danoise. Ah bah, je lui fais confiance, hein. Moi j'y vais même pas. En plus, allez, il y a une rébellion en cours, là. Je viens d'activer le cheat code, Boudav, dans notre guerre. Ah bon? Cheat code? T'as pas de console en j'ai multi. J'ai appelé l'Autriche. Ah. J'ai appelé l'Autriche. C'est pareil. Un petit yes man, c'est ça. C'est 40. Oui, ça va. T'as 42 000 hommes qui seront là dans 6 mois. Bon, là, il y a fight, mais ça va aller. Bon, on est à 64% là. Ça suffit pour prendre Artois, non? Tu veux quoi? Tu veux plus? En tout cas, moi j'ai jamais de ma vie réussi le défi sur U4, le seul défi que je me suis fixé. Quoi? Qui consiste à perdre un siège à 99%. Ah! Tu as jamais réussi celui-là? Si, je suis quasiment sûr que je t'ai vu le faire dans une vidéo un jour. Non, c'était. Non, il m'a vu monter le siège à 99 une ou deux fois, mais j'ai jamais échoué, je l'ai toujours pris après. C'est Tibbs qui l'a fourré à 99%, je crois. Ah, c'est Tibbs, ouais. Moi je savais même pas si c'était possible. C'est possible, t'as 1% de chance que ce soit possible. Il n'y a pas d'achievement. Mais bon. Il me semble que ça m'est déjà arrivé, ça, moi. Ouais, bah ça arrive, hein. Moi aussi, je suis quasiment sûr que je dois avoir une vidéo où c'est le cas. Mais bah voilà, t'as 1% de chance, hein. Donc techniquement, 1% de chance. Ouais, mais t'as 1% de chance sur un très petit nombre de sièges. C'est très dur de monter à 99% déjà. Ah oui, bah après, on est d'accord. C'est un enchaînement. Statistiquement, c'est pas 1% parce que c'est sûr que c'est un. C'est un enchaînement de tous les échecs, quoi, mais... Ouais. Quand t'es arrivé à 99%, t'as encore 1% de chance. C'est quoi, du Vanguard? Ouais. Et même celle que tu vas faire tomber là dans la seconde. C'est donné, celle-là. Allez, bientôt le 12 juin. Hop. Merci. Voilà. Hop là. Donc j'ai appelé l'Autriche pour qu'on puisse être dans les délais pour ta guerre. Fout, c'était pour le trip. Ça marche. C'est la dernière gare où il va bien vouloir venir. Ouais, ou alors, je laisse Sophia existant. Là, c'est le truc à piller. Et il va continuer à bien vouloir venir plus longtemps. Je vais faire ça. Ouais, je vais laisser Sophia. Ça peut donner une guerre de plus. Oh, ouais. L'épidémie. Ça, je vais laisser Costendil. Bah, tant que je laisserai Costendil, tiens, il y aura. On peut rembourser. Ah non. C'est 191,96 qu'il faut pour rembourser, on a 191,19. Tu me suis sur Synop? C'est con quand même. Ouais, c'est con, oui, hein. Je te suis sur Synop, mais le problème c'est que t'as oublié un. Bah, l'Autrichien y va, d'accord. Bon. T'avais laissé une petite province derrière, mais l'Autrichien est parti le chercher. Je sais pas pourquoi on avait cet emprunt, mais c'est fini. Tu me rejoins Ankara, puis on lance l'assaut sur Kangiri. Il est toujours là-bas le Suédois, ouais. Ah, puis ouais, il y a le Norvégien en plus, il garde le truc. Ils sont sur les provinces où il y a une. Où il y a une rébellion possible, quoi. C'est parfait. Merde. Il m'a feinté. Ils iront s'en occuper. Je l'intercepte, hein, du coup, je t'attends pas. Ouais, vas-y, bah de toute façon, moi je suis tech 7, hein, donc déjà que tu te prends des baffes, moi c'est pire. Trop tard. Ça y est, le Munster est tombé. On va pouvoir aller taper sur les gens. Ça va faire mal. Ils font des sièges, hein, chez nous. Hop là, commencer
à récupérer le moral de mes armées. Je suis quasiment à 50% de légitimation des provinces. Oh, j'avais pas vu dans nos aptitudes de l'heure des découvertes, il y a un truc, la loyauté des dépendances du Danemark, aspiration moins 30%. Mais oui, mais prenons ça. Mais oui, prenons ça. Ça aurait bien aidé ça pour la Suède. Je pense qu'il a mis du temps à avoir les bonus d'air. C'est la troisième que j'ai. J'avais absolument pas vu qu'il y avait ce truc-là planqué tout au bout. Mais non, mais t'as... Oh là là. Je suis désolé, si j'avais su, je te l'aurais dit, parce que c'est un truc ultra connu, c'est le premier truc que tu prends en tant que... J'avais pas alors, du tout percuté. Je t'aurais volontiers critiqué si j'avais pas pris en troisième le commerce vénitien, puissance commerciale de la marine, plus 50%, qui aurait été le bienvenu en premier. Et alors, portugais, voilà, toi, tu t'es pas planté, t'as bien pris croissance coloniale plus 50. J'ai pris la croissance coloniale tout de suite, hein. Et pour une fois qu'il nous au moins, il y en a qui savent jouer. Voilà. Au moins, il y en a qui savent jouer. Bon, merci, Bad. Mais je t'avais pas invité dans ma guerre, Bad. Pourquoi tu viens m'aider? Casse-toi. Replions-nous. J'espère qu'il n'espère pas être pillé. Monopole. J'ai Médine qui siège chez moi. Médine, elle est alliée à l'Ottoman. Elle vient de me prendre ta filalette. Bah, arrête ton monopole. Ah bah si, il y a 13 000 hommes chez moi. Okay, 13 000 hommes chez toi. Oui, bah ta filalette, quoi. Attends, non. Chez 2, toi, 3, 4, ça se discute. 4... Non, il y a 10 000 hommes. 10 000 hommes. Faut s'entendre sur la notion de chez toi, Brodaf. Bon, il y en a 7000 chez Slan. Bah, c'est chez nous maintenant, là, le Maghreb. Bah écoute, je te remplace bientôt. Je vais amener les bateaux. Bon, du coup, ça devrait matcher. On va finir l'intégration tranquillou. Parce que t'as pas soutenu ton propre siège, Boudaf. Et ici, on est à donc une révolte. 74. Ouais. Ah, fin de la guerre. Tu peux y aller. Le 15 janvier, tu peux partir. Tu peux partir, Boudaf. Tu peux rentrer dans ton pays. Rentre chez toi. C'est parti. Rentre chez ta mère. Donc, c'est 1500 l'Angleterre. Les avares avant. Ça nous laisse 5 ans pour jouer un peu. Elle est où la rébellion? Elle a pété, ils l'ont géré, j'avais même pas vu. C'est beau. Pas suffisamment de rivaux. Combien? Qui c'est qu'on rivalise? Les Ottomans, tiens. La Bourgogne a disparu ou pas? Non, pas encore. Pas le Mamelouk qui veut pas faire la paix. Bah, moi je vais faire la guerre du coup. Toi, on va te foutre un embargo. Pas le Mamelouk, l'Ottoman. Le Lituanien ne vient pas. Il a arrêté de. Il soutient plus une indépendance ou un truc du genre? Non, il défend plus la Pologne. Oh, je suis dégoûté. Le temps est tellement petit, est-ce qu'il peut encore? Ah bah non, il doit être en banqueroute, il a plus que 2000 hommes. Il a 4 provinces qui se battent en duel, dont seulement 2 collées l'une à l'autre. Il est pas bien là, il est pas bien. Non, il nous faut ça. Quand même faire pause parce que j'ai pas envie de louper les 5000 polonais. Est-ce que j'appelle la Poméranie? Un peu gâché. Bah. Est-ce que j'appelle Kiev? Ah non, ça bah fait non, il est allié à la Pologne. T'es allié à Kiev toi? Non, j'attaque Kiev. Ah oui, t'attaques Kiev. Bah, c'était dit est-ce que j'appelle Kiev? Ah, est-ce que tu coches Kiev, tu voulais dire? Ouais, attention voilà, à pas appeler le Saint-Empire. Hein. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Il s'est passé des trucs pas cool. Ils ont regretté très vite. A priori, c'était une erreur. Bon. Bah, y a plus de troupes polonaises. Le siège de Kiev, il est à 28%. Et je sais pas s'il y avait des. Y a pas de troupes à Kiev. Y a pas de troupes à Kiev. Qu'on soit d'accord, t'es en train d'attaquer un OPM là. Ouais. Super ta guerre. Deux OPM quoi. Oui, ben je m'amuse, moi j'ai que ça à faire. C'est clair. Ah ouais, tu veux pas m'aider à nocer l'anglais, bravo. Tu m'avais dit, dans cette session, tu vas voir, je lance des guerres à haute intensité. Excuse-moi. c'est... pense pour les ennemis, ils se sont déjà pris 2 baffes. Moi je gagne aussi peu d'argent là. Oui. Mmh. C'est le lot de tout le monde de pas gagner assez d'argent. Ouais, enfin là je suis à 0,23 quoi. Il y a un mec qui est en train de convertir ici, c'est quelle c'est religion? C'est quand même pas énorme. C'est toujours mieux que moi 0,23. C'est catholique, bah ça va le rester, catholique. Ouais, il y a ça éventuellement.
fin du siège de Kiev. Ah oui, vers des subsides aux Danois, c'est vrai, c'est pour ça. Un protégé du pape, ce serait pas mal. Bon, ses vassaux ou alliés n'ont plus d'armée, Slan. Stackwipe. Bon, super, 97%, il accepte la paix. C'est réglé. Ouais, notre dirigeant, c'est... Point de faveur, youpi. Merci Boudaf. Je te dois combien de faveurs déjà? J'ai arrêté de compter. Tu m'étonnes. 0-3-3 les j'ai pris un deuxième colonisateur. Excellent. Pourquoi j'ai 100% d'unité religieuse? C'est tellement des provinces de merde que ça joue pas dans le pourcentage, ça. C'est fort possible. Voilà. 300, ça te va pour ta participation? Ah, mais non, c'est des chartes. Ouais. C'est pour quel? C'est vrai. Non, on aura le charter un peu. C'est pas bon ça. C'est mon héritier qui a ce trait de caractère là. Ah bah il va partir au combat l'héritier parce que c'est nul. Mon héritier il a pas de trait le de pauvre l'héritier il va avoir des stats toutes pourries par rapport à ton général moyen. Urbanisation. Alors moi il faut que je refasse ma revendique sur ta filalette parce qu'elle a eu le bon goût de d'expirer pendant la guerre. Bah tant pis, on prend un emprunt. C'est on va se préparer. Ouais, tout à fait. Alors, il faut alors moi j'ai retiré la légitimité de la Pologne sur toutes ses provinces. On a là. Voilà, ça c'est fait. Et il y a juste la Lituanie et la Hongrie qui seront pas contents. Autant dire qu'on s'en cogne. J'ai retiré Constantinople de la charte pour pouvoir la convertir, pour pouvoir faire fonctionner Sainte-Sophie. Mmh. Voilà. Il faut que je vire mes fusils marins, on sait que c'est nul les fusils marins, les gars. Mmh. Dégagez. L'Autriche veut des sous, 92, je refuse. Elle n'a qu'à faire autre chose avec mes faveurs. Mais dès qu'on est là, on sera bien. Intégration effectuée à 77%. Ok. Ça avance tranquille. Là. Hop là, et on continue de faire des tribunaux parce que. On a besoin de gagner du. De l'influence papale. Non, de la capacité de gouvernance. L'influence papale, c'est avec les églises. Ah oui, les églises, pardon. Ouais. Je pensais. Tribunaux. Capacité de gouvernance, c'est vraiment le truc dont j'ai pas besoin. Moi. Ouais, je suis 450 sur 650. Fais pas le malin avec tes bonus là. Est-ce que ce serait pas intéressant là? Ouais, on a déjà quelqu'un ici qui envoie ici, très bien. Là, on envoie là. 14-4-5. Il y avait des rebelles. Ouais, c'est pas mal. Ok, on va baisser la maintenance. Voilà, on va désarmer les forts. Voilà. 13, on en voit 3, c'est pas ouf. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si j'attaque ta filalette, la France ne viendrait pas. Et qui ça attaque ta filalette? La Castille, c'est ça? Ouais. Après, ça fait 39 000 hommes. Moi, je paye pas pour ta guerre, je te le dis tout de suite. Je sais même pas si je vais payer la maintenance. Ouais. Je me fais des thunes maintenant. Tu sais même pas si tu vas te permettre de payer le. Ouais. Les troupes. Le mec, quoi. Faut pas non plus exagérer sur mes capacités militaires. Hein. Je viens de renvoyer tous les mercenaires chez eux. La reine consort du peuple. 60 balles, 15 points, agitation dans le pays, moins 2. Non, on n'a pas besoin. Elle aurait mieux fait d'y rester. Les gens sont heureux chez nous. Au lieu d'en sortir. Des hérétiques fratis. Trop de lassitude. Non mais ça c'est sur ma vie, fichu. C'est où? Calmar. C'est quoi ça, Calmar? Quelle province a le mépris de s'appeler Calmar, quoi. Franchement.
Quoi, encore des Ah, c'est un Suède. Ah, c'est des orthodoxes. C'est un Suède. Fratricelle, d'accord. 8, hop. Bon, ça remonte la finance, ouais, un petit peu. Ça va déjà mieux. Bien, mon dirigeant m'apporte plus 5 puissances démissionnaires, et ça, c'est cool. Je suis un peu en retard en termes de tech, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que tu t'embêtes à missionnariser les gens? Ah bah... Laisse-les penser comme ils veulent penser. La sainte mission que Dieu m'a donnée. Dans le titre, dans le titre de la série, il y a marqué Sainte Horde, hein, pas Sainte Thune. C'est quoi cette merde? Pourquoi les gens ils voudraient se soulever? Mais non! Vous vous soulevez pas, j'ai envoyé tous mes trucs en Tunisie. Carrément, oui. On fait ça. C'est bon ça. Ça va peut-être nous permettre de gagner un an. Comment on fait pour savoir? On a une moyen de voir une date de fin. Comme pas maintenir. Date de fin septembre 97. Oui. Mais si je maintiens, je gagne plus que 40 par mois. Comment ils veulent et que là, je. Là, 511. La Bourgogne n'est plus un rival valable. Mmh. Ouais, elle a un petit peu douillé la Bourgogne. Là. Mais elle existe encore. Hein. Ah, le problème, c'est que je ne peux rivaliser que le Danemark ou Venise, moi. Ah ouais? En troisième. Ah, ouais. Même pas l'Ottoman ou le Malmouk, quoi. Pour ce qui t'a servi, le Danois. Non. Oui, on est d'accord que j'ai pas été très utile. Et pas lui qui vient de t'envoyer 300 pièces d'or. Hein. Fallait pas l'avouer, ça, cher signe. Et il veut découvrir le Canada, mais il veut même pas payer pour les cartes. Et qui c'est qui est là il était gratuit, mais c'est l'envoi de notre premier colonisateur. Ouais. Oh. Tu l'envoies où? Au Groenland? En Russie, ah, Eric Ford, oui, tout à fait, au Groenland. C'est l'heure d'un petit rebond vers le Canada. Monsieur vise haut. Ah, tu l'as pas vu venir, hein. Ouais, enfin, en même temps, le temps que tu colonises les igloos là-bas, excuse-moi, mais bon... Moi, j'ai commencé à coloniser les Antilles, tu vois, on n'a pas vraiment les mêmes perspectives d'environnement. Ah, bah ça... Donc ça plante, ça pousse mieux le cacao et le coton dans les Antilles que... au Groenland. Ouais. Mais tu vois, Slan, je t'avais dit que je coloniserais largement avant 1520. On n'est pas largement avant 1520. Ouais, et puis t'as pas encore un pied en Amérique, t'as un pied sur le glacier. Et pour l'instant, c'est le Groenland. Tu veux pas admettre. Tu veux pas admettre. Non, c'est bien. Et comment tu vas faire pour voir les provinces suivantes? Bah comment j'ai fait pour voir T'es prêt, Slan? Je suis prêt de quoi? Non, je suis pas prêt, j'ai des rebelles chez moi. Mais bonne chance. T'as des rebelles en... T'avais pas des rebelles en Tunisie? Non, non, ils sont en... C'est les Byzantins. Qu'est-ce que... Alors, la France, est-ce que j'ai des... Mais bon... J'ai des faveurs. Je peux toujours venir, je ferai des allers-retours. Ouais, mais je vais dragouiller la France pour qu'elle vienne. Ça pique un peu quand même. Emmène-moi dans la guerre, t'inquiète. Ouais, ouais. Voilà, la France veut bien venir, maintenant j'ai sécurisé le truc, quoi. Ça marche. Ah, y'a plus l'influence de grande puissance, là. Ok. J'accepte. Y'a plus le don non plus, on est quand même à plus 9. Parfait. Donc il faut pas enlever les subsides et on arrive à rester positif avec la Suède. Qui c'est qui a tapé mes bateaux au corps là? T'as entraîné Naples? Bah, c'est une UP de la Castille. Ah ouais, merde. J'avais pas vu ça, hein. Ok. Non, mais je m'en fous. Le Danois, le Napolitain, il a 6 bateaux, donc ces 6 bateaux, ils bougent pas, puis c'est tout. Un diplomate supplémentaire, oui. On perd de l'argent, non. Tu m'étonnes. Combativité de l'infanterie plus 10, ah oui, on prend aussi. Bon, de toute façon, là, jusqu'en 1500, c'est calme, donc on va se détendre un peu. On les virera à terme, ces forteresses, mais tant que l'anglais n'est pas neutralisé, on va les garder. Et on a 4 ans de calme encore. Ouais, bon, faire quelque chose si d'ici 4 ans. Hein. J'ai pris la cible de guerre. Hein. Bien joué. C'est quoi ce pays là, la Galicie-Volhynie? Comment t'as pu laisser faire ça, Ardarin? De quoi? Pourquoi il y a une Galicie-Volhynie qui existe là? Ah, c'était chez le Lituanien. Bravo. Mais t'as vu mes troupes à la frontière? Tu sais ce que ça veut dire? J'ai vaguement une vague idée. Ça va décrimiter. Ça va dégalicier.
des Galicie. Tu vas chercher la Moldavie, non? Ouais. Pourquoi il se fait envahir les Portugais? Parce que je fais le siège de ta filalette. Tu veux des impôts de guerre, c'est ça? Ouais, éventuellement. D'ailleurs, je suis pas obligé d'avoir tout. Puis c'est la Moscovie, t'auras peut-être besoin d'aide. La Moscovie, ah bah non, la Moscovie elle viendra pas. Moi j'ai juste mais attaqué séparatisme, la Moldavie. Il n'y aura que la Moldavie. Hein. Ah oui, je pensais que t'attaquais la Moldavie, je sais. Non, j'attaque le petit. Que le plus gros vienne. C'est ça. Mais je t'appelle si tu veux, hein. Oui, bah je suis pas contre des petits impôts de guerre, j'avoue. Ça ferait pas de mal. Allez, c'est parti. On envoie 30 000 hommes. On est déjà à 21% sur le siège, tranquille. Truffe, j'ai remonté. T'as des canons? Ouais. T'as le Napolitain qui te siège. Oh. J'en ai 4. J'ai 4 canons. Bon, il arrive pas à prendre le fort, il y a que 6 000 hommes dessus. Okay. Il fait des troupes, hein. Ah, le Napolitain. Ouais, bah, le Napolitain, il lâche pas, quoi. Quand il sera à 0% de chance, j'irai le défoncer. Pour l'instant, je vais pas le gêner, c'est mieux qu'il garde ses troupes là le plus longtemps possible. Mm-hmm. Et l'Aragon, il a 77%. Ah non, il est retombé, 53. Ouais, mais 53, ça veut dire qu'il l'aide pas. Ouais. Bah, il a ses troupes chez lui, en face du Français. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il va aider parce que le Français est en train de le siéger. Ça y est, les Byzantins se sont réveillés. Et moi, Taoudant est tombé. Je vais pouvoir aller défendre mon pays contre la faible armée castillane. Qui a une tête d'avance sur moi, mais qui a que 10 000 hommes. Avec 10 000 hommes? Le Castillan, ouais. Leonardo de Vinci. Ah, bah, c'est chez toi? Bah oui, c'est chez moi. Tu voulais qu'il apparaisse où? Ah il oui, m'a donné 50-50. Ça y est, on peut rembourser l'emprunt. Il n'avait que pour la canaille, moi je dis. Bim. Allez hop, c'est parti. Allez hop, je le prends. 5 pièces d'or par mois, allez je peux, mais ça me fait baisser quand même, hein, c'est chiant. Alors, pause. C'est l'heure de faire une petite paix. Les deux navires de transport qu'il a là, sont totalement. Il est reparti de Napolitain. Il est allé vendre la France. On va aller l'autre. Eh ouais. Bah il y a des Français en Naples donc il a dû se dire finalement si j'allais défendre. Si j'allais taper sur la France, voilà la bonne idée. Oh la Frise a arrêté de détourner le commerce. C'est dur. Il va falloir y retourner. Hein. Déjà la paix. La première, oui. Ah oui, sur la Moldavie. Voilà, bon, suivante va pas traîner, quoi. Oui, juste le temps que le diplomate revienne, ce qui est déjà fait. Enfin, c'était pas une grosse guerre, hein. Oui, on s'entend. C'est ce fort-là que je peux virer. Parce que de toute façon, tant que quelqu'un débarque. J'ai obtenu 0,81 sous, bah parfait. Et 5 points de faveur. Le début de la richesse. Exactement, ça valait le coup de ne pas bouger. Et moi je vais pouvoir lancer deux nouveaux tribunaux. Ça c'est la classe. Bon là... Est-ce que ça vaut bien le coup? On va le rappeler monsieur. Nous devons protéger notre économie, pas évidemment. Ça on l'annulera. Non. L'intégration de la Norvège. Alors, j'ai pause dans l'émission. Intégrer la Norvège, c'est fait. On gagne quoi? Vitesse de recouvrement des marins et limite des forces des fusiliers marins plus 25%. Ouh, yes. Tu vas pouvoir débarquer comme un foufou. Fusiliers ouais. Marins de Norvège s'applique en Danemark. Ça arrive pas. C'est un peu tard, on va dire. Mais bon. Ah bah non, c'est jamais trop tard. Oui, bon, enfin, on en a débarqué en Angleterre, quoi. C'est surtout l'Angleterre qui en a même ça. C'est ça. Et du coup, on va retourner draguer un petit peu la Suède.
Et du coup, on peut aussi s'arrêter là pour cet épisode. C'est vrai, tout à fait. Et ouais. Ça fait une très belle fin pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé sur les différentes scènes, et on se dit à très vite pour la suite. Salut tout le monde. À très bientôt. À plus. Bye bye.